Au moins 18 personnes ont été tuées samedi soir à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée par l'armée au groupe Allied Democratic Forces d'origine ougandaise. Parmi les victimes, 14 civils et 4 militaires selon l'armée. L'attaque a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et dans la ville l'inquiétude des habitants. Ma sœur a été blessée. Elle a reçu 5 balles au niveau de la mâchoire supérieure. J'ai vu là-bas à l'hôpital 5 militaires blessés et 26 corps. La première bombe est tombée vers 19h. Nous avons entendu l'ennemi lancer des cris de joie. Ils étaient nombreux, les femmes, les enfants parmi eux. Ils ont barricadé cette route. Certains Congolais dénoncent l'impuissance de l'armée et de la force de la mission des Nations Unies au Congo qui dispose d'une base à Beni. Les ADF sont tenus responsables du massacre de plus de 700 civils à Beni et sa région depuis octobre 2014.